Paris Saint-Germain, le président Borrelli entretient les bonnes traditions et deuxième victoire donc de l'équipe parisienne en Coupe de France hier soir. Deuxième victoire consécutive, deux finales, deux victoires, 3-2 à l'issue d'un match fantastique comme le titre aujourd'hui à juste titre notre confrère le journal du dimanche. 3-2 donc pour Paris Saint-Germain contre Nantes, ce fut l'une des plus belles soirées de football à la télévision. Hier soir, Georges Perroche porté en triomphe, c'était son dernier match avec PSG. Il est déjà parti en vacances ainsi que beaucoup de joueurs qui ont peu de congés. L'entraînement reprendra dans moins de 3 semaines. Voilà donc fantastique soirée et dernier téléfoot aussi consacré en grande partie à cette finale de la Coupe de France. PSG 3, Nantes 2, des supporters en délire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Donc dernier téléfoot avec la présence des deux meilleures équipes françaises de la saison, Nantes champion et finaliste et Paris Saint-Germain vainqueur de la Coupe de France. Nous avons en duplex depuis Nantes le président du FC Nantes Louis Fontenot et le manager Robert Budzinski. Alors première question, monsieur Fontenot, quel est votre sentiment après une nuit qui a été assez courte? Est-ce que vous avez beaucoup de regrets? Écoutez, monsieur Denisot, je pense que tout le monde partage ma déception. C'était pour nous le couronnement d'une saison qui a été exceptionnelle et brillante, puisque nous avons remporté le championnat de haute lutte. Le doublé, c'était notre ambition et ma foi, ça nous reste à conquérir. Robert Budzinski, comment sont les joueurs? Terriblement déçus et surtout en partant en vacances, ils auraient aimé apporter à notre président justement ce doublé qu'il recherche depuis très longtemps. Alors vous serez présent tout au long de cette émission, bien entendu. Vous nous apporterez votre point de vue technique tout à l'heure. Nous verrons un résumé assez long de cette finale et puis plusieurs reportages, cette finale vue sous différents angles. Donc deuxième invité, et ils sont à côté de moi, l'équipe de Paris Saint-Germain, ou tout au moins ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, et qui partiront cet après-midi. Je vous remercie d'être resté avec nous. Merci au président Borrelli, puis à tous les joueurs que vous connaissez maintenant, puisque vous avez été des stars de la télé hier soir. Alors j'ai appris, Francis Borrelli, que on savait que vous étiez habillé hier exactement de la même façon que l'année dernière, car vous êtes un homme très superstitieux. C'est exact. Et vous avez embrassé la pelouse maintenant, c'est devenu un rituel dans le championnat, dans la Coupe de France. Et on m'a dit que vous aviez un talisman dans votre poche ou dans votre porte-serviette. Vous pouvez m'en dire un peu plus, et que vous étiez certain de la victoire. Oui, c'est un espèce de porte-bonheur, une espèce de protection, mais c'est des choses dont il ne faut pas parler. Et cette superstition s'applique à dire que dans l'étymologie du terme, ça s'appelle un chimout, mais il ne faut pas en dire plus. C'est quelque chose qui exorcise, qui apporte le bonheur vers soi et qui rejette le bonheur, mais qui ne porte pas malheur aux autres, qui rejette. Bon, parce que je vois sur l'écran là, le président Fontenot qui est un peu inquiet et se dit là on a été victime de choses qui ne sont pas tout à fait conformes. Quelle est votre réponse, monsieur Fontenot? Écoutez, j'ai pas très bien compris la question. Monsieur. Oui, le président Borrelli dit qu'il a un talisman et qu'avec ça il gagne tous les matchs. Oui, le président Borrelli a beaucoup de talent et en particulier ceux-là, je pense qu'il est très fort. Moi je ne peux pas m'aligner sur des problèmes. Président Fontenot, si vous aviez gagné la coupe, qu'auriez-vous fait? Ben, j'aurais été heureux de la fêter, mais enfin... Vous auriez embrassé la pelouse? Embrasser la coupe, je ne pense pas jusque-là, mais je dois vous dire que de mon fauteuil, je la regardais fixement pendant tout le match en espérant qu'elle viendrait vers nous. Eh oui, et Nantes rate pour la troisième fois le doublé, mais Nantes a survolé. Il faut tout de même le souligner encore aujourd'hui, le championnat terminant avec 10 points d'avance. C'était la super équipe de l'année et qui a calé un petit peu devant Paris Saint-Germain, qui a fini très fort hier. Alors, nous allons voir d'abord comment se sont déroulées les prolongations. Vous avez vu le match sur Antenne 2, mais vous n'avez pas vu les prolongations, et ça a duré très tard dans la nuit, des deux côtés d'ailleurs, et c'est pas plus mal. Alors nous allons d'abord jeter un coup d'œil au Paradis Latin, où étaient réunis à l'initiative d'Europe 1 les joueurs du FC Nantes, qui avaient tout de même gardé bon appétit, comme vous pouvez le constater, avec Robert Budzinski, Jean-Claude Ciodo, leurs épouses, le président Fontenot. Il y avait beaucoup de vedettes aussi, Enrico Macias, qui est Jean-Claude Brialy, qui est un entraîneur... Enrico Macias qui est supporter de PSG également, et là c'est Loïc Amis qui s'envole. Beau spectacle, soirée parfaitement réussie, de bon goût, sans excès. Et on fêtait Nantes champion, Patrice Rio, Ali Lodzic qui a l'air songeur, Dalida, Mireille Darc, Bernard Allaire et le ballon, symbolisant le titre de champion donc de l'équipe nantaise. Maintenant, le gâteau au ballon d'aller, puisque les photographes ont bien travaillé,
malgré les défaites, beaucoup de bonne humeur. Donc, pour les Canaries, Oscar Muller, Bertrand Devanne, Bossis, Ali Lozic. La plupart d'entre eux s'étaient rasés, s'étaient laissés pousser la barbe jusqu'à la finale. Et autre équipe, autre votre station radio, parce que vous avez chacun la vôtre, c'est RTL, qui est le sponsor de Paris Saint-Germain, avec des supporters en délire, Dominique Baratelli. Un partout, coup de poignard pour Tours, qui a l'occasion pourtant Tours tout de suite de se rétablir, car M. Wurtz siffle sur cette action un pénalty en faveur des Bleus Ciel. Et regardez ce qui va se passer. C'est un nouvel exploit de Morisseau. Polagnac est encore là, mais là il n'est plus seul. Merci en tout cas à Gilles Morisseau, le gardien nîmois. Un gardien qui va s'incliner tout de suite après ce centre. But de Delionis qui était entré en cours de jeu. L'entaché d'une faute, M. Wurtz refuse ce but. C'est dur, mais c'est juste. 1-1, c'est le Nîmes Olympique, bien sûr, qui fait l'affaire de la soirée. Et c'est l'équipe de Tours, vous le devinez, chez elle, qui fait le masque, comme son entraîneur Olink et son président-maire Jean Royer, ainsi que Polagnac.
Alain Polagnoc, ce pénalty manqué, c'est surtout le symbole de la non-réussite de Tours aujourd'hui. Oui, c'est ça, je crois que vous avez résumé exactement le match. On n'a pas su marquer ce deuxième but. En plus, eux ont égalisé en plein milieu de la deuxième mi-temps. On a pris un coup de bâton sur la tête, on n'a pas su s'en remettre. En plus, c'est vrai, le pénalty loupé, c'est le symbole de la non-réussite de ce jour ce soir. Plus c'est dur et plus vous êtes fort. Bon, je sais pas, en ce moment je suis dans le coup et l'équipe suit, les résultats vont bien, ça va, il n'y a pas de problème. Alors pour le Nîmes Olympique, le plus dur est fait maintenant? Non, je pense pas que le plus dur soit fait. On a bien tenu la première mi-temps et j'espère qu'on va faire la différence dans la deuxième, mais je crois que le plus dur reste encore à faire. Voilà, le match retour aura lieu mardi prochain, un match très chaud à Nîmes, donc entre Nîmes et Tours. Un match que vous pourrez suivre, donc vous pourrez suivre les principaux extraits dans le journal de 13h du lendemain, qui sera suivi pour nous par Jean Reynal. Alors, autre événement de la semaine, en dehors de la Coupe sur laquelle nous allons bien sûr revenir dans un instant, le tournoi Espoir de Toulon. C'est l'un des plus beaux tournois du monde, ce niveau des espoirs, avec le Brésil, l'Argentine et la France. Philippe, oui. Oui, le mérite, la qualité de ce tournoi revient principalement à Maurice Revelo, l'organisateur de ce tournoi. Et pour le premier match, eh bien, les Français avaient à rencontrer les Irlandais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas bien parti, puisque les Irlandais ouvraient la marque grâce à ce tir de Lettre dès la 30e minute. C'était d'ailleurs le score aussi à la mi-temps, donc 1-0 pour l'Irlande. À la 47e minute, les Français vont tout de même réussir à égaliser avec, à l'origine de l'action, Philippe Verquist, qui a bien remarqué Bruno Bellone sur le côté gauche. Le centre de Bellone est parfait, la reprise d'Andiani également. 1-1, un but superbe. Malheureusement, les Français n'ont pas eu la possibilité de doubler comme nous avons pu le faire. Hein, donc, résultat final. Deuxième adversaire des Français, l'URSS, et deuxième début difficile. Là encore, ce sont les Soviétiques qui vont ouvrir la marque sur ce corner. La balle passe devant les buts de Joël Batz et c'est finalement Kuznetsov qui ouvre la marque. 1-0 pour l'URSS. Là aussi, c'est le score à la mi-temps. Mais comme contre l'Irlande, la deuxième période va être française. Les joueurs de Marc Bourrier vont égaliser à la 55e minute avec cette action. Au début, Philippe Verquist, à l'arrivée également, 1-1 donc. Égalisation pour les Français qui ne vont pas en rester là cette fois-ci, puisque à la 70e minute, ils vont marquer un deuxième but. Auparavant, vous allez voir une particularité de ce tournoi de Toulon. Là, une faute qui n'est pas sifflée, la deuxième va l'être. Et elle va valoir aux Soviétiques Pankratiev un carton jaune. Et dans le cadre de ce tournoi de Toulon, un carton jaune, c'est aussi 5 minutes d'expulsion temporaire. Cela va permettre également à Bruno Bellone de marquer un superbe coup franc. Regardez bien. Voilà, ça décroche les toiles d'araignée, comme l'on dit. Et c'est aussi le but de la victoire pour l'équipe de France. France-Argentine maintenant. Un nul suffit aux Français pour jouer la finale. Alors il y avait deux possibilités, la prudence ou le panache. Eh bien, les Français ont choisi le panache. La première action, la tête était de Philippe Andiani. Là, le tir est de Bruno Bellone, mais il a trouvé Pompilot sur sa trajectoire. Les Français se sont créés beaucoup d'occasions avec encore une fois Philippe Andiani qui met au-dessus. Il n'a pas eu de chance, le Sochalien, puisqu'en plus de ses occasions, il a trouvé une fois le montant. Il a été aussi retenu par le pied. Il aurait pu être l'homme du match, il ne l'a pas été. Bruno Bellone aurait pu également être l'homme du match, mais là, vous voyez, il a mis la balle encore au-dessus. C'est vrai, et toutes ces actions ont été prises dans la seule deuxième mi-temps. Daniel Bravo l'a effauché à la limite de la surface de réparation, coup franc, ça ne valait pas plus. Et vous avez encore sur le coup franc, le manque de chance des Français, c'est Paganelli qui l'a tiré. Et oui, en pleine lucarne, on se demande même si c'est le montant ou la transversale qui a ressorti ce ballon, toujours est-il qu'il n'est pas rentré. Et les Argentins, me direz-vous, eh bien eux, ils ont eu une occasion et 100% de réussite, puisque Rinaldi l'a mise au fond, cette occasion, à la plus grande déception, bien sûr, de Marc Bourrier. On peut invoquer une certaine malchance, une certaine maladresse aussi, puisque nous avons quand même eu, j'ai compté, 7 occasions de but, et un pénalty peut-être qui n'a pas été sifflé, mais n'évoquons pas l'arbitrage. Et puis surtout, manque de maturité, ce qui concerne la fin du match, où un peu porté par le public, les garçons sont partis, disons, à l'abordage et n'ont pas su calmer le jeu, truquer comme peuvent le faire les Argentins.
Et je crois que c'est ce qui nous coûte la victoire et la finale, la participation à la finale. La finale opposera donc l'Argentine au Brésil. Les Brésiliens ont battu l'Algérie, la Chine et ils ont connu quelques sueurs froides contre l'Allemagne de l'Ouest. Puisque sur ce corner, c'est Herst qui va ouvrir la marque avec la complicité d'un pied brésilien. Beaucoup de réussite donc pour les joueurs de Vertivox, surtout que c'était la dernière seconde de la première période. Le Brésil va égaliser sur pénalty transformé par Louvanor. 1-1, là aussi le nul suffit aux Brésiliens pour se qualifier, mais dans la minute qui suit, Mirandina va marquer un deuxième but super. Regardez bien, il prend la balle de la tête, il va griller tout le monde. Et un tir incroyable, 2-1. Ce n'est pas le résultat final puisque les Allemands vont tout de même arracher le match nul à la suite d'un pénalty également transformé par Kaiser. 2-2 donc. Résultat des courses cet après-midi avec une finale explosive, Michel, opposant le Brésil et l'Argentine. Et en levée de rideau, donc il y aura aussi un match que je vous recommande quand même d'aller voir si vous êtes dans la région de Toulon, à Bon Rencontre, puisqu'il va opposer l'équipe de France à l'équipe de RFA. Ah, vieux souvenir. Très bien. Et pour la demi-finale, enfin la petite finale, donc cet après-midi à Toulon. Alors nous revenons à la soirée d'hier en commençant par ce qui s'est déroulé en levée de rideau et qui n'aurait pas de raison de passer inaperçu. C'est la finale du championnat de France des Poussins, le football à 7. Voilà, ils étaient contents. Il y avait 4 équipes qui jouaient cette finale hier soir au parc, devant un parc déjà à moitié plein. C'était sur le coup de 18h. Et c'est la Sainte-Anne de Reims qui a battu l'étoile filante de Bastia par 3-0 en finale. Pour la troisième place, voilà, ils font leur tour d'honneur aussi. C'est l'Olympique de Saint-Etienne qui a battu Cognac 3-0. Donc, victoire de la Sainte-Anne de Reims. Ils sont sur le podium et récompensés par le président de la Fédération Française de Football. Et ils font comme les grands, comme a fait Baratelli hier, comme a fait Bacnay, et comme ont fait nos invités qui sont sur ce plateau. La Coupe de France étant là, bien entendu. Qu'est-ce que vous en avez fait cette nuit, Louise, la Coupe de France? Bon, c'est comme la tradition de la Coupe de France le veut, c'est de le faire en collectivité avec l'équipe, de s'amuser, de participer, et qu'il y ait une belle ambiance. Vous avez bien fêté ça, vous avez beaucoup dormi? Oui, j'ai dormi un peu. Dites-moi la vérité. Non, pas grand-chose. Vous n'avez pas dormi du tout? Pas grand-chose. Très bien. Alors vous allez quand même tenir le coup jusqu'à 13h. Nous allons voir maintenant, avant de voir le résumé, on demande toujours, vous savez, avant les grands événements, on cherche toujours un journaliste, de traiter le sujet sous un angle différent. C'est finalement assez difficile parce que presque tout a été fait, mais avec Didier Roustan, toujours s'attendre à du nouveau. Alors qu'avez-vous fait? Comment avez-vous vu cette finale? Ben écoutez, je suis très embêté, mais j'ai eu de la chance. J'ai écouté une chanson de Bernard Sauvin sur le football. Bernard Sauvin, vous savez, rien pas très connu, il est un trotteur, mais avant tout chanteur et poète. Et qui, à un moment, dans cette chanson donc, sur le football, dit que la victoire, c'est aussi la défaite des autres. On a tendance à l'oublier. Alors, lorsqu'on voit des reportages, des réalisateurs, tout ça s'attarde, c'est normal, sur le buteur, sur celui qui l'a marqué, sur les supporters qui agitent les drapeaux, et puis on oublie les autres, on ne voit pas ce qu'ils font. Alors, on va essayer de les découvrir un petit peu avec Jean-Jacques Michel, Lord Kellerman. Ce n'était pas très facile à réaliser. Voilà, c'était une soirée à multiples rebondissements. Voilà. Allez, installez-vous, mon cher. Après vous, les deux équipes, ça ne va pas tarder. Georges Perroche mastique nerveusement son chewing-gum et voit de l'autre côté Jean-Claude de Suédo, lui, ne desserre pas la mâchoire. Tout comme Dominique Battenet, ce n'est pas le moment d'engager la conversation, de tenter une interview. Thanasie n'emmène pas large, regardez sa pomme d'Adam, attention. C'est allé très vite. Toko semble avoir une idée derrière la tête. Baratelli n'en peut plus, du moins qu'on commence ce match. Et tiens, le président Borrelli, lui aussi, n'est pas trop fier, il se mord les lèvres. Côté Nantais, même son de cloche, Bossis ne lâche pas du regard la coupe. Cette coupe, Ayash n'ose pas la regarder. Il est à côté de Bertrand Demann, les Vikings, eux, restent de marbre. Bref, tout le monde est hyper concentré. Une finale de France, c'est quand même quelque chose, même si on a gagné le championnat. Baratelli respire un peu mieux, Zaramba vient de marquer. Ouf, ça va mieux. Les blancs ont le sourire, les jaunes, c'est bien normal, râlent un peu. Même chose, évidemment, dans les tribunes. Bon allez, laisse-moi regarder, petit, ce n'est pas encore terminé avec les Nantais. Il a raison, ce n'est pas fini, et maintenant c'est le but de Bruno Barrichelli. Il hurle, et à cet instant, c'est l'homme le plus heureux du monde, tout comme Loïc Amis, Ayozic et Touré, mais les autres. Alors les autres, eh bien, regardez le bout. Par exemple, à lui seul, il exprime toute la détresse du PSG à cet instant de la partie. Quand on vient d'encaisser un but comme ça, on se sent vraiment tout bête, histoire d'être poli. Dans les tribunes, on n'en mène pas large, j'ai observé le petit bondinier derrière le gros monsieur au chapeau. Ouh là là, la fin du monde est proche.
ensemble. Et d'abord, troisième minute, faute sur Dominique Rocheteau. Et coup franc à presque 30 mètres. Et là, je vais laisser Pascal Zaramba commenter la suite des événements. Prenez votre micro. Vous avez déjà marqué des buts comme ça? Bien. Donc PSG mène 1-0 et occasion chaude là pour le Brésilien Touré. Un tir qui passe au-dessus et nous sommes à la 18e minute. Et sur ce contre mené par Bruno Barrichelli, c'est l'égalisation. Très beau but de Barrichelli. Je vais demander à Robert Budzinski de nous commenter sur le ralenti. Robert ? Oui. Écoutez, il ne passe pas le ralenti, mais enfin, c'est sur une remarquable ouverture de William Ayache que Bruno, par un contrôle orienté, a désarçonné toute la défense, la prise de vitesse, et a parfaitement su conserver son sang-froid, parce que poursuivi par la meute des Parisiens, il a marqué un but splendide. Égalisation, donc on est très content, hein, pour quand on est spectateur impartial. Et puis PSG relève la tête à nouveau et va marquer un but qui sera refusé. Contre-attaque menée par Susic. Contrôle de N'Gom. Comment a-t-il contrôlé? Eh bien, nous allons le lui demander. But refusé par Monsieur Vautreau. J'ai contrôlé. Moi, le but. Ah, vous avez la poitrine un peu près de l'épaule. Non. Regardez bien, il n'y a pas de main, je pense pas. Bien. Oui, Monsieur Vautreau a rappelé un point du règlement, c'est que la main comprend également l'épaule. Enfin, j'étais pas au courant. C'est dans le texte, d'après ce qu'il a dit. Voilà, donc ça n'a pas eu finalement d'incidence sur la suite des événements. C'était un très beau but de N'Gom. Et là, nous retrouvons Adoncor et une superbe envolée de Dominique Baratelli, qui est le gardien préféré du président Mitterrand. Il l'a dit. Rocheteau Zaramba, qui avait une balle de 2-1 dans un angle assez difficile, c'est sur le petit filet. Et puis, voici l'un des plus beaux moments du match, après ce tir de Zaramba. Le but de Touré, du Brésilien, de contrôle de gauche et reprise du droit. Robert Budzinski, un commentaire très bref. Écoutez, c'est tout à fait exceptionnel. On sait que José est tout à fait merveilleux au niveau des contrôles aériens. Mais là, suite à son contrôle aérien, il a réussi, avec son pied encore, à contrôler deux fois de suite le ballon et frapper avec ce qui lui servait de pied d'appui. C'est vraiment remarquable. Je pense qu'on s'en souviendra très très longtemps. Voilà, et le président Mitterrand d'ailleurs s'en souvient, puisque juste après ce deuxième ralenti, nous allons écouter ses impressions à la mi-temps de ce match vraiment superbe entre les deux meilleures équipes françaises de cette saison. Nous revoyons ce contrôle, c'est magique. Et c'est imparable. J'ai assisté à de nombreuses finales. J'estime que c'est une des plus équilibrées, avec un jeu très bien construit, agréable. Si l'expression n'a pas quelque chose d'excessif, je dirais que les deux équipes jouent dans un style très français. Deuxième mi-temps, donc, je ne sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, nous allons le savoir tout à l'heure. En tout cas, les Parisiens, il fallait remonter. Les Nantais étaient archi-favoris, d'autant que là, ils avaient la balle de break sur ce tir d'Ali Lodzic. Et si l'avant-centre yougoslave avait fait mouche, eh bien, je crois que ça aurait été mission impossible. Mais c'est toujours 2-1. Et avec l'exploit de Susic, qui est à peu près du même niveau que celui de Touré, eh bien, on remet les pendules à l'heure. Et c'est 2-2. Nous allons revoir cet exploit de Susic, qui a éliminé deux adversaires avant de marquer dans la lucarne le but égalisateur. Que dites-vous, Francis Borrelli? Sur le but ou ce champ de dire à l'instant? Là, vous pouvez faire du doublage, là, oui. Je dis tout simplement que c'était formidable et que c'est un but absolument exceptionnel et dont Susic, je crois, seul le secret. Voilà, contre pied. Voilà. Extérieur, je pense. Allez. Dominique Bentley est sorti, il est blessé et entré de Mousse, t'as pas d'alade. Regardez, quand Mousse rentre, eh bien, ça fait des étincelles.
fabuleuse percée de Mustapha Dalal qui est parti balloquer, ça a échoué d'un poil. Et là, on commence à sentir que le match bascule, que les Nantais qui ont nettement dominé pendant une heure, eh bien, perdent de pied alors que PSG retrouve toute son efficacité. Et N'Gom a une balle de 3-2, belle sortie de Jean-Paul Bertrand de Man dans vos pieds, Michel. Ballon récupéré par Paris Saint-Germain pour Rocheteau Toko. C'est le but de la victoire qui approche. Suzic. Ils sont à 4 contre 2, contre 3. Et tir croisé de Toko, c'est le but de la victoire. C'était la semaine africaine. Après Noah, voici Toko. Toko qui est l'homme des décisions, des grands moments, l'homme décisif dans cette équipe de Paris Saint-Germain. Il marque souvent le but qu'il faut. Quand il le faut. Et là, il reste à peu près 7 à 8 minutes à jouer. Et vous avez encore une occasion de but pour Paris Saint-Germain avec cette action Suzic, N'Gom, Rocheteau et il y avait hors-jeu. But refusé, 41 minutes 28. C'est l'angoisse, mais ça tourne très vite à Téléfoot, 45 minutes 36 immédiatement. Et c'est la fin du match. À quoi pense-t-on dans ces cas-là, Louis? C'est la joie de remporter une deuxième Coupe de France. Je pense que dans la carrière d'un footballeur, ça compte énormément. C'est toujours à inscrire à son palmarès. Oui. Franck Tanasi, alors c'était votre première finale. Vous prenez le micro. C'était votre première finale, première victoire. Au début de la saison, vous n'étiez pas titulaire. C'est une belle histoire que la vôtre. Oui, oui, c'est une très belle histoire. Oui, j'étais pas du tout titulaire, j'étais remplaçant. Et j'ai eu l'occasion de rentrer dans l'équipe au match de Sochaux et je suis toujours resté. J'ai fait le nécessaire pour rester dans l'équipe depuis ce match. Et alors Francis Borrelli, c'est Dominique Baratelli qui a reçu la coupe puisqu'il avait remplacé Bacnay comme capitaine. Je pense que c'était un geste élégant aussi de la part de Dominique Bacnay qui aurait pu, dans la circonstance, reprendre son brassard parce qu'il était toujours sur le banc. Oui. Ah, c'est bien dans le style de Dominique Bacnay qui est un véritable capitaine. Mais Baratelli a également toutes ces qualités-là et je crois que c'est l'accomplissement d'une saison assez extraordinaire et d'où avoir des regrets encore plus grands de voir Perroche partir. Mais enfin, je crois qu'il faut l'inscrire au... Pourquoi il part? Je comprends toujours pas. Bien, il a expliqué ceci de long en large, je crois que ce n'est pas le lieu de le dire. Il faut respecter les décisions des gens qui, tels que M. Perroche, il estime que la pression est trop grande, qu'il a fait ce qu'il fallait faire à Paris. Mais je crois, il l'a dit tout à l'heure, que ça n'était qu'à le revoir, alors il faut attendre, il y a un petit au revoir. Mais il avait envie de changer d'air, je crois qu'il a besoin de changer ses habitudes. Francis Borrelli, quand on vous voit embrasser la pelouse à trois reprises, bon, c'est une image qui va rester. Maintenant, je vous ai déjà remarqué, sur tous les terrains de France, on vous interpelle, le public voyeur vous dit, alors, quand est-ce que tu embrasses la pelouse? Et là, vous avez remis ça. C'est pour soigner votre image de marque ou non. C'est une forme d'humour de votre part, peut-être? Non, vous m'y aidez beaucoup à essayer de laisser croire aux gens que je cultive une image de marque, notamment en disant t'as pas 120, c'est bien que je suis désolé, je vous le rappelle. Donc tout simplement parce que je l'ai dit, mais très rapidement, que c'était un geste spontané l'année passée, donc irréfléchi. Cette fois-ci était tout à fait irréfléchi, puisque j'avais gagné la coupe de la manière que vous savez. Je me fonds pourquoi pas essayer de sceller ceci dans la tradition. Alors, qui dit tradition, ça supposerait que l'an prochain, l'année d'après, on gagnera chaque fois la coupe, et je ferai toujours de la même manière. On risque même d'être ridicule, mais j'accepte à ce point d'être ridicule, mais surtout d'être très excessif, moi je trouve ça fort. En tout cas, c'est un beau spectacle. Michel N'Gom, j'ai dit tout à l'heure que c'était un peu la semaine africaine, le but de Toko. vous avez un but refusé, une belle occasion, la victoire de Noah, qui est un de vos bons amis. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Yannick est venu nous rejoindre hier soir et on a passé un bon moment ensemble. Est-ce que la victoire de Noah a changé quelque chose dans le comportement du public vis-à-vis de vous, sur votre coiffure Insta, qui est peut-être pas toujours comprise par tout le monde? Non, à part que quelquefois dans la rue on m'appelle alors Yannick, bravo pour Roland Garros. Et vous répondez quoi? Je dis merci. Bah, c'est très bien. Robert Budzinski, alors bon, ce match, le FC Nantes l'a dominé à la marque et même l'a dominé sur le terrain pendant une bonne heure. Et puis, comment expliquez-vous la suite des événements? Écoutez, de deux manières. D'abord, si nous l'avons dominé ce match, c'est que nous nous sommes dépensés. D'une façon peut-être outrancière, compte tenu des dimensions de ce terrain que les Parisiens, eux, connaissent bien
et où ils jouent avec beaucoup plus d'économie que nous. Et la seconde explication est sans doute la griserie des cimes. Certains de nos jeunes joueurs à 2-1 ont voulu s'envoler un peu, en ont rajouté un petit peu, et ils ont perdu très certainement les notions qui font notre force. Alors, question qu'on pose souvent, on oublie quand même que vous avez été une fois demi-finaliste de Coupe d'Europe, mais on fait souvent référence aux autres péripéties de Coupe d'Europe dans ce qui concerne Nantes et puis aussi les équipes françaises, c'est que il n'y a pas encore une équipe française qui a gagné. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, vous êtes mieux armé, mieux équipé que d'habitude? On est très certainement mieux armé, mais il nous faudrait, disons, un plus, ce que l'on recherche auprès du président d'ailleurs, pour que cette équipe, qui est encore extrêmement jeune, acquiert la dimension qu'elle a su prouver sur le terrain de l'Hexagone. Ça va être extrêmement difficile compte tenu de nos moyens financiers, mais enfin, on y compte beaucoup. C'est quoi le plus? Ben, le plus, c'est un joueur capable, dans des circonstances données, peut-être comme hier par exemple au parc, de mettre le pied sur le ballon et de continuer, quand on mène 2-1, de garder ce ballon et d'amener son équipe à la victoire. Bien, vous faites l'enchaînement vous-même. Je vous remercie pour passer au journal des transferts que nous allons voir maintenant avec d'abord ce qui s'est fait cette semaine. Alors, signature de l'Allemand Horstmann à Rennes, de Charrier qui vient d'Angers à Rennes, de Marais à Rennes, de Sitter qui quitte Rennes pour le Racing Paris 1, du Polonais Tlokinski que vous avez découvert au cours des matchs de Coupe d'Europe avec Lotz à Lens, de Jean-Pierre Tempet qui va à Lens, de Didier Six qui va à Mulhouse, de Kist qui quiste Paris Saint-Germain, voilà, c'est content de le dire, pour Mulhouse, Banid qui signe à Mulhouse, entraîneur, donc non souligné, Albert Raymond quitte Lyon pour Toulon, Neubert à Toulon, Godard, le gardien de Nelémine, remplacera Tempé à Laval, Ricord va à Lille, ainsi que Bureau, Didot à Rouen, Lucien Muller à Monaco et Laurent Paganelli à Toulon. Alors, les contacts qui ne sont pas terminés, Majder, l'Algérien à Saint-Etienne, Zimaco à Bastia, Polagnoc à Paris Saint-Germain, vrai ou faux? Totalement faux. Totalement faux, alors on peut l'enlever. Nogues à Lyon, attention, hein. C'est sûr. Absolument. Parole d'honneur. Parole de scout. Bon, Ferrigno à Laval ou à Rennes. Alors, le Duc ou Kovacs, ça, c'est pas faux. Hein, à Paris Saint-Germain, vous êtes d'accord. Alors, en ce qui concerne Nantes, donc peut-être une surprise encore au niveau des transferts, comme vient de nous laisser entendre Robert Buczynski, en étant tout de même un petit peu évasif. Mais si j'ai bien cru comprendre, ça sera un milieu de terrain. Oui, peut-être, mais je vous répète, c'est d'ordre financier pour le moment. Et nous espérons beaucoup, nous comptons beaucoup sur la ville pour nous aider dans ce transfert. Eh bien, je vous souhaite bonne réussite. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, car, vous savez, quand on a perdu, je comprends ça tout à fait, on n'a pas envie tellement de venir participer à une émission le lendemain, mais c'est quand même aussi le propre des grands champions de savoir venir, ça fait partie de leur métier, savoir venir devant les téléspectateurs, comme l'ont fait les plus grands joueurs de tennis à Roland-Garros. Et merci donc à Robert Buczynski et à Louis Fontenot d'avoir été présents dans cette émission Téléfoot. Alors, maintenant, nous allons prendre connaissance d'un grand vote qui a été créé cette année à l'initiative du service des sports de TF1. Il s'agit de désigner le meilleur joueur européen de la saison. Alors les références cette année, là, c'était essentiellement les Coupes d'Europe et les championnats. Alors qui a voté? Eh bien les 21 pays qui constituent l'Eurovision, et ce sont les chefs de rubrique football avec tous les journalistes qui travaillent avec eux qui ont procédé à ce vote. Autrement dit, il s'agit à peu près d'un grand prix de l'Eurovision de la chanson, mais en football avec des professionnels. Et nous allons voir le résultat. Alors il y a 4 joueurs classés, 4 points pour le premier, 3, 2 et 1. Voici donc le palmarès qui va nous être communiqué par Alain Jouin. Zweites deutschen Fernsehen. Allemagne de l'Ouest, Platini, Dalglish, Rummenigge et Falcao. Österreichischer Rundfunkfernsehen, Autriche, Platini, Verkauteren d'Anderlecht, Magath et Consilia, le gardien d'Austria de Vienne. Radio-télévision belge, premier Magath, deuxième Guéretz, troisième Platini, quatrième Hartwig, le Hans. Danemark Radio, Danemark, 1 Robson, 2 Magath, 3 Ulrich Tillicke du Real de Madrid et Morten Olsen, le Danois d'Anderlecht. Télévision Española, Espagne, Rolf, Strachan d'Aberdeen,
Platini et Carlos Alonso Santillana du Real de Madrid. TF1 France, premier Platini, deuxième Magat, troisième Strachan, quatrième Dalglish. Ilinique Radiophonie, Tiléorase, Grèce, premier Falcao, deuxième Platini, troisième Yann Roche de Liverpool et quatrième Magat. Télévision hongroise, premier Platini, deuxième Boniek, troisième Rumenigueux, quatrième Dalglish, Liverpool. Radio Téléfix Éléan, Irlande, Platini, Magat, Strachan, Liam Brady, Irlandais, de la Sampdoria de Gênes. Ricky Sudvafid, Islande, Strachan, Kaltz, Verkauteren, Zoff. Radio Televisione Italiana, Italie, premier Platini, deuxième Magat, troisième Pietro Virtuovot de l'AS Roma. Quatrième, Charlie Nicolas du Celtic de Glasgow. RTL, premier Guéretz, deuxième Conti, troisième Kuhlmans, quatrième Magat. Monaco, RMC, Platini, Magat, Vandenberg, Anderlecht et Francis, l'autre anglais de la Sampdoria de Gênes. Nordvist Screencasting, Norvège, Falcao, Verkauteren, Strachan, Platini. Nederlandski Umbrechtstifting, 1 Platini, 2 Strachan, 3 Pfaff, le gardien belge de Bayern, et Smolarek de Lodz. Radio Televisão Portuguesa, 1 Falcao, 2 Maradona, 3 Platini, 4 Chalana de Benfica. British Broadcasting Corporation, Royaume-Uni, 1 Robson de Peter Shelton, le gardien de Southampton, Rummenigge, Platini. Sveriges Television, Suède, Dalglish, deuxième Platini, troisième Filipovic, le Yougoslave de Benfica, quatrième Falcao. Suisse, SSR, Platini, Falcao, Strachan, Dalglish. Télévision soviétique, Platini, Blochin, Rummenigge et Cruyff. Jugoslovenska Radio Televizija, Yougoslavie, Falcao, Platini, Horst Rubec et Filipovic. Donc 4 points quand on est classé premier, ensuite 3, 2, 1, c'est tout simple, on additionne. Et voici le classement final du prix Eurotéléfoot 83 qui apparaît sur votre écran. Premier, Michel Platini, deuxième, Félix Magat, troisième, Falcao, quatrième, Strachan, cinquième, Dalglish, sixième ex aequo, Verkauteren, Rummenigge et Robson, neuvième, Guéretz, dixième, Blochin et Rolf. Alors, je crois que nous avons le premier lauréat d'Eurotéléfoot, Michel Platini, en ligne au téléphone depuis Turin. Michel ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, je vous félicite pour votre résultat. Quelle est votre première réaction ? Première réaction, je crois que je suis très heureux, très fier d'une part, bien que dans un sport collectif, c'est difficile de ressortir un joueur parce que c'est le fait un peu de toute une équipe, mais disons que je suis vraiment content, ça fait plaisir. Oui, c'est la première fois que vous êtes sacré meilleur joueur européen. Bon, il y a d'autres prix qui sont organisés par des confrères de la presse écrite qui sont tout aussi valables d'ailleurs. Oui. Et peut-être aurez-vous la confirmation de ce titre des journalistes de radio et de télévision qui sont parmi ceux qui voient peut-être le plus de matchs parce qu'on en voit, on se déplace, beaucoup qui transitent par nos bureaux et qui ne passent pas forcément à l'antenne. Vous êtes premier dans 11 pays sur 21, vous êtes 19 fois cité, c'est un véritable plébiscite. Je remercie tous ces journalistes. Je crois que de toute façon, c'est assez subjectif parce que c'est toujours l'opinion de journalistes différents, c'est que j'en viens. Alors, on peut plaire, on ne peut pas plaire. Je crois que c'est un peu aléatoire, mais pour moi, je suis très placé. C'est la première fois que je gagne quelque chose. La dernière fois que je gagne quelque chose, c'est l'estime de mes coéquipiers. C'est très important. Et vous êtes premier aussi en Italie pour nos confrères de la RAI. Je pense que c'est surtout ça qui me fait plaisir. Bien sûr, en France aussi, je suis premier, mais on dira toujours que ce sont les Français que bien que les journalistes, mais c'est surtout en Italie où je ne connais pratiquement pas les journalistes et je suis encore premier, donc je suis là vraiment, ça me fait plaisir. Où en êtes-vous de la saison? C'était la demi-finale hier, match aller contre l'Inter. Oui, on a joué hier soir, on a gagné 2-1, on menait 2-0, on a coupé un penalty, puis l'Inter a marqué sur la fin, et je suis de notre premier match retour maintenant.
enchaîne. Ben, je crois que pour le PSG, c'est déjà fait. Pour nous, ça sera très, très, très difficile. Mais je crois que c'est le dernier objectif qu'il faut qu'on atteigne absolument. Et si on pouvait rencontrer Paris Saint-Germain en finale l'année prochaine, ben, ça serait une très, très belle finale. Si on peut, en plus, on l'a fait à Paris, ben, bien. Michel, je vous remercie. On vous remettra bien entendu le trophée qui est préparé actuellement par le sculpteur Rémi Broissant lors d'une prochaine émission. Je vous souhaite une bonne fin de saison à la Juve et puis on se retrouvera très bientôt. Alors nous allons voir maintenant avec Didier Roustan un portrait des quatre lauréats de ce prix Euro Téléfoot en commençant, je crois, Didier, par celui qui est quatrième. Oui, c'est un peu la surprise. L'Écossais Gordon Strachan qui a bénéficié, bien entendu, de la victoire de son équipe d'Aberdeen en Coupe des vainqueurs de Coupe il y a peu de temps contre le Real Madrid à Göteborg. Strachan, c'est le numéro 7 de cette formation écossaise. Son point fort, c'est la vivacité et aussi son sens du dribble. Il va très très vite. Ici, l'arrière droit du Real Madrid ne le rattrapera pas, bien entendu. Strachan, on l'a vu également lors du premier tour de la Coupe du Monde avec l'équipe d'Écosse. Il avait été sans doute l'un des meilleurs joueurs de cette formation. Vous voyez, il s'est sauté au bon moment. C'est aussi un joueur très fin, qui entreprend beaucoup de choses, très spectaculaires, comme ce grand pont devant Medgod. Et là, un bon petit coup d'œil, mais il rate son lobe, donc quatrième, Gordon Strachan. Troisième, c'est lui, Falcao, Roberto Falcao, joueur de l'AS Roma, beaucoup plus connu. Il se dirige vers les studios de Téléfoot, il est content, il fait un bon « laissez-moi passer, j'ai rendez-vous avec Eurofoot », donc. C'est le numéro 5, mais ne vous fiez pas au numéro, il joue milieu de terrain à l'AS Roma et également dans l'équipe nationale du Brésil. Pour nombreux, il a été avec Bruno Conti et Marco Tardelli le meilleur joueur du dernier mondial. Il marque de très jolis buts, mais c'est surtout un organisateur, un joueur qui joue vite, qui voit juste, qui joue très simple et qui quittera malheureusement pour l'AS Roma, ce club. Selon toute vraisemblance, Félix Maga, surnommé par certains confrères Félix le chat, un chat qui aurait mangé beaucoup de ronron car il est un peu rondouillard. Il a 29 ans, il joue à Hambourg, il a gagné récemment la Coupe d'Europe des clubs champions en équipe nationale. Il a été barré le plus souvent par Hansi Müller, mais également par Schuster. On lui a reproché de ne pas être fidèle au grand rendez-vous, mais le 25 mai dernier à Athènes, eh bien, il n'a pas posé de lapin à son club, il était là et bien là. Il a été superbe, Félix Maga, cela fait 7 ans qu'il joue à Hambourg. C'est un meneur de jeu, vous le savez, tous les ballons passent par lui. C'est lui, c'est donc le premier vainqueur de l'Euro Téléfoot, Michel Platini. Certes, il a tout perdu cette saison, ou presque. La Coupe d'Europe des clubs champions, par exemple, le championnat d'Italie également, mais il gagnera peut-être la Coupe d'Italie. Et puis, il a marqué beaucoup de buts, meilleur buteur du championnat d'Italie. Et malgré une blessure aux adducteurs qu'il a handicapé en début de saison, eh bien, il a été l'un des meilleurs joueurs du dernier championnat d'Italie. Et ce titre ne peut être contesté, je crois, même s'il y aura toujours des rabat-joie. Mais enfin, là, il y a eu beaucoup de télévision, il n'y a pas que la France qui a voté pour Platini. Donc, Euro Téléfoot pour le joueur de la Juventus de Turin. Alors, conclusion de ce vote, enfin, je crois, ce qu'on peut en dire, c'est que pour être élu parmi les meilleurs joueurs européens, il faut avant tout faire une grande carrière en Coupe d'Europe. Alors, cette année, Louis, vous êtes allé en quart de finale. L'année prochaine, il faudra faire mieux si vous voulez être dans les petits tableaux. Bah, je pense que c'est les joueurs qui jouent une Coupe d'Europe, c'est toujours toujours l'objectif de ce la Coupe d'Europe, de se faire remarquer et d'aller plus loin dans sa carrière. Il y a quelques années, il y a 3 ans, vous étiez anonyme, à peu près. Hein, et aujourd'hui, vous êtes l'une des vedettes du football français. Comment encaissez-vous tout cela? Pas une vedette, je suis un joueur comme un autre, mais c'est vrai que c'est la Coupe d'Europe, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui montre au public, les matchs télévisés, et ça y fait beaucoup, ça a une grande importance. Alors Pascal Zaramba, vous avez eu un début de saison bon, un petit peu difficile avec Paris Saint-Germain. Je pense que en venant de Valenciennes, ça vous a fait un changement aussi dans votre vie personnelle. Et puis là, vous finissez en trombe. Moi qui venais de Valenciennes, je n'avais pas connu toutes les jours que je prenais en ce moment avec le Paris Saint-Germain. Et je suis très heureux. Bon, puis maintenant, je commence à m'habituer à Paris. Ouais, vous avez déclaré il y a quelques temps que vous vouliez partir, c'est toujours vrai?
Non, non, je suis parti maintenant. Tu sais où partir. Non, je reste. Un dernier mot, Robert Buzinski, je vous ai vu songeur pendant la diffusion des portraits des lauréats d'Eurotéléfoot et vous avez fait un petit signe au président Fontenot en disant Falcao, ça serait bien ça pour garder le ballon. C'est vrai Falcao, mais je voulais vous rappeler aussi que l'année dernière, nous avons interrogé Aberdeen pour Strakam, mais les prix, j'ose pas vous les révéler. Vous pouvez les dire, puisque vous n'avez pas fait de folie. Non, non, c'était 2 millions de livres. C'est qui fait 2 millions de francs. 23 millions de nos francs. 23, ah oui, d'accord, effectivement. Bon, je suis pas dans le coup. 23 millions de francs. Et oui. Eh ben, bon courage, vous savez que le président Boré, la dernière, avait lancé une opération que vous appeliez comment ? Voilà, t'as pas 100 balles et c'est peut-être une solution pour s'en tirer maintenant car tout est devenu hors de prix. En tout cas, je vous remercie à nouveau d'avoir participé à cette émission ainsi que le président Fontenot. On se retrouve bientôt. Téléfoot reprend le 17 juillet et on va pas se quitter comme ça. Il y a des buts étrangers pour terminer que nous allons voir avec Georges Dominique en particulier la tournée du Brésil et puis des finales de coupe intéressantes car peut-être prochains adversaires. Tournée du Brésil, résultat 4-0 pour les Brésiliens au Portugal. Là, on passe directement à la finale de la Coupe d'Allemagne, s'il vous plaît. Merci qui opposait hier à Cologne les deux clubs de Cologne, le FC Cologne en blanc qui joue bien sûr en première division et en rouge le Fortuna de Cologne, équipe de seconde division. Domination de l'équipe de deuxième division, tout cela jusqu'à la 68e minute ici où le FC Cologne attaque. Klaus Allofs a le ballon, mésentente entre le gardien et l'un de ses défenseurs et qui est à la réception pour le but unique. C'est notre petit ami Pierre Lidbarski, 1-0 donc pour Cologne, Cologne qui succède au palmarès au Bayern de Munich. Et maintenant, en Belgique, qui va prendre la suite de Waterskay, messieurs les Parisiens? La finale opposée hier soir au stade du Ezel Beveren au FC Bruges, 50 000 spectateurs, et comme le dit notre ami Roger Laboureur, un but de Paul Tennis, 30e minute de jeu, 1-0, une fois, ce sera le score à la mi-temps. On passe à la 47e maintenant. Les jaunes de Beveren ont le ballon, en particulier leur allemand ici, Alder. Et c'est une reprise à bout portant de René Martens, 2-0. Donc Beveren qui a pris d'entrée de jeu en deuxième période une belle option sur la finale de cette Coupe de Belgique. Merci Roger, mais à 20 minutes de la fin, vous allez le voir, les ciels vont reprendre espoir avec un but superbe. But inscrit ici par Derden, 2-1, il reste 20 minutes. Alors les jaunes ont serré les coudes dans cet instant et le dernier mot reviendra à Beveren alors qu'on revoit ici ce magnifique 2-1 de Derden. Dernier mot donc en cette Coupe de Belgique pour les jaunes qui attaquent. Le ballon est pour l'international polonais Kusto et à la réception un autre allemand, Schönberger. 3-1 pour les coéquipiers de notre ami Philippe Garot, le brillant libéro de cette équipe de Beveren. Et c'est la deuxième coupe que remportent les jaunes. Et grâce à notre ami Roger, eh bien vous savez tout. Beveren remporte la coupe 83 après avoir éliminé l'Union Namur au premier tour. Audenarde au deuxième, Alost en huitième de finale. Et peut-être le pari égé qui me chante. Hein, ils osent. Alors Georges, c'est un équilibre. Alors... C'était donc le dernier téléfoot de la saison. Nous nous retrouverons le 17 juillet. Enfin, merci aussi nos confrères des Terres 3 Nantes et notre ami Paul Gauthier de leur collaboration à cette émission qui était réalisée depuis Nantes par Jean Peugeot et à Paris par Solange Péter. Alors, vous allez passer de bonnes vacances de détente. Vous partez ce soir, presque tous. Certains sont partis ce matin. Elles vont être courtes. Vous reprenez l'entraînement le 1er juillet. À Nantes, c'est peut-être encore plus tôt, je crois. Je crois que c'est autour du 25 juin. Donc, ça va être très bref. Certains même vont passer leurs vacances en jouant au football. Nos amis du Variété Club de France, cher Jacques Vendroux, qui vont faire le tour du monde avec quelques footballeurs. Nous leur souhaitons bonne chance. Nous nous retrouverons toutes et tous donc le 17 juillet et nous nous quittons avec la musique de Gérard Lenormand. Vive les vacances, au revoir. J'en peux plus de traîner dans ce lit où je t'aime, où je t'aime.